Je dirais que la fierté, c'est de sentir qu'on peut faire la différence, en fait, chez Entrepreneur, puis dans plusieurs domaines, puis d'acquérir justement, de travailler des marques comme Fromagerie Perron, que ce soit Boucherie Charcuterie Perron, puis toutes les autres, des marques fortes. Pour moi, la fierté, ça se manifeste beaucoup plus dans la reconnaissance que les gens ont du travail que je fais. Moi, je travaille dans la mise en marché des grains et puis donc je suis comme au bout de la chaîne. Tout le monde, quand on produit, c'est pour mieux vendre. Et quand on achète aussi, il faut acheter à un bon prix pour pouvoir produire un produit qui coûte moins cher pour le consommateur. Et puis, ma fierté, c'est de savoir que les gens apprécient donc ce service-là que je leur rends tous les jours et que mes supérieurs aussi apprécient bien ma contribution à ce niveau-là. On voit les gens qui travaillent sur le plancher, sont dans le feu de l'action, puis on a besoin de ces gens-là. On a beau gérer tout ça, mais à la base, c'est eux qui font le produit, puis qu'ils font bien en toute sécurité, puis qui s'aident, puis qu'à la fin, là, quand on a besoin, c'est toujours eux autres. Fait que moi, je suis vraiment là pour représenter quand même le groupe, parce que je trouve que c'est ces gens-là qui ont tout le mérite quand même de faire ces produits-là jour après jour après jour. Puis on est là pour les supporter et tout ça, mais la fierté, c'est de voir les gens qui sont là et qui prennent ça à cœur. On a le contact avec le client, c'est très important. Puis c'est là qu'on a la valorisation de pouvoir travailler pour Nutrinor. Puis surtout aussi avec le nouveau logo qu'on a, là, on est rendu Nutrinor Énergie, puis avec nos nouveaux camions, puis la couleur, là. On se fait dire à tous les jours que c'est beau, puis c'est parfait. On est fiers de porter l'image, d'avoir l'uniforme Nutrinor Énergie. On est fiers de se promener sur la route avec ça. Puis on est reconnu par justement le service à la clientèle, ces choses-là. Les clients, ils nous voient. Puis c'est le fun de se faire donner des tapes dans le dos, dire vraiment, vous êtes une équipe professionnelle. C'est plaisant de vous voir aller. Après ça, je suis fier de voir les camions de Propane M&M, les gros camions, les grosses cisternes oranges sont propres, c'est des beaux véhicules. Je suis content de venir travailler, je suis fier de venir travailler. C'est pas gênant. Je trouve que Nutrinor, on a une image régionale, mais plus que régionale encore. Ce que je ressens, moi, dans mon cas, c'est que Nutrinor sont les spécialistes pour nous faire ressentir à quel point on peut être une valeur ajoutée pour l'entreprise. Le modèle coopératif, en fait, ça a un effet levier structurant pour notre développement économique régional. Puis c'est impressionnant à voir, en fait. Puis Nutrinor, tu sais, c'est en fait, c'est le lien qui nous rattache avec une des grandes raisons d'être ou de l'existence du développement de notre région, qui est l'agriculture. Bien, quand on pense à l'agriculture, c'est Nutrinor, en fait. Fait que c'est majeur l'impact qu'on a sur le développement de notre région. Puis ça, je pense que c'est important. Puis moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur, le développement économique. Puis dans les débuts, bien, je travaillais chez les producteurs, je faisais du transport d'animaux. Puis quand je travaillais chez les producteurs, bien, je voyais toujours le camion qui venait. Il y avait le camion de lait, puis il y avait le camion de moulé, puis c'était le camion de Nutrinor. Puis j'ai toujours dit, putain, on va travailler. Parce que comment c'est quand je suis cultivateur? J'ai dit, je vais travailler pour la meunerie, c'est sûr. Fait que, au fil du temps, j'ai donné mon nom à la meunerie, puis j'ai rentré pour la meunerie. De voir ces gars-là, puis ils avaient l'air heureux de travailler chez Nutrinor. Ça fait que ça m'a inspiré à voir travailler chez Nutrinor. Je pense qu'on se trompe pas, là. Je me suis pas trompé. Bien, moi, j'adore travailler avec le public. J'aime travailler. C'est une maladie, là. Moi, ça fait 27 ans là, que je travaille pour Nutrinor. Puis dernièrement, j'ai eu mon 25e anniversaire de travail. Et puis c'était grandiose. Je m'attendais vraiment pas à être aussi... Je me sentais... Ça me donnait un deuxième souffle. C'est pas compliqué, ça me donnait un deuxième souffle. La fierté. La fierté de porter le logo Nutrinor. La fierté aussi que les gens ont acheté de quelque chose de Nutrinor aussi. C'est pas juste nous autres envers Nutrinor, mais c'est la clientèle aussi envers Nutrinor. Donc ça se complète tout ça.
Fait que c'est le fun de voir le monde qui sont fiers d'avoir acheté quelque chose chez nous. Puis nous autres, on est fiers de travailler pour Nutrinor à cause de tout ça. Travailler, c'est pas facile. Il faut se démener, faut s'organiser pour être là à l'heure et tout. Mais c'est facile de venir travailler chez Nutrinor. C'est pas une corvée. C'est pas si on veut faire de l'argent, c'est si on veut que nos enfants travaillent ici. C'est ça que c'est comme une autre vision que le profit à tout prix, c'est la durabilité de l'entreprise, c'est la durabilité du principe coopératif qui va avec. On a un gros sentiment de fierté, là, surtout dans les... on a des grosses périodes, on a des gros défis, on vient d'avoir des nouvelles acquisitions, tout le plan a changé. C'était un gros travail d'équipe qu'on a fait tout ensemble, on s'est réunis, on a uni nos forces. Toute l'équipe, puis là, on parle de ceux qui travaillent, qui mettent la main à la pâte, d'eux autres qui ont pensé aux idées. On s'est tous tapés dans la main. Quand il y a une réussite, c'est pas juste la personne qui a pensé, c'est vraiment tout le monde. Je pense que Nutrinor est vraiment bon là-dedans. Vraiment le sentiment d'appartenance puis de fierté. Vraiment, la nouvelle chanson là, qui est sur les ondes là, partout, là, le bonheur. J'ai dit, c'est bien facile. Il est où, le bonheur? Il est où? Il est chez Nutrinor.